Vous savez, c'est très difficile d'écrire une collection parce que je pense que d'abord, cette fois-ci, c'est surtout un état d'esprit. C'est ce qui compte dans la mode actuelle. C'est pas tellement une question de longueur, de lignes, de détails. C'est surtout un état d'esprit, une liberté. Chez vous, les longueurs, c'est toujours long, mais déjà depuis 2 ans. Oui, depuis 2 ans. Et puis, je vous dis, il y a même des robes très courtes que vous n'avez pas vues. Ah, bon. Et l'on retrouve les capes que l'on connaît aussi chez vous. Et des manteaux à 15 cm à peu près du sol. Ah, ça, là, donc, vous ne savez pas. Les dimensions, je ne sais pas du tout. Et les couleurs. Les calculs, je ne sais pas du tout. Les couleurs. J'ai vu beaucoup d'aubergines, des grenats. Oui. C'est très difficile, je vous dis, de décrire moi-même ma collection. C'est plutôt à vous de la décrire, parce que pour moi, c'est une chose plus personnelle, je veux dire, que des détails. Enfin, des lainages imprimés. Oui, des lainages imprimés. Pour les fins d'après-midi. Et des pantalons sur des bottes, le soir. Oui. Bouffants ou droits. Vous la connaissez bien mieux que moi. Et des satins pour le soir, et des couleurs très vives, satin très comme vif, des verts. Oui. Très, très vifs pour le soir. Et des robes longues aussi, que je n'ai pas vues. Il y a des robes longues, des robes courtes, des pantalons, il y a de tout. C'est très libre. Merci. Saint-Laurent, toujours fidèle à la cape, celle-ci en drap aubergine. Sur un ensemble kilt en lainage imprimé. Des bottes pour le jour comme pour le soir. Avec les ensembles pantalons de satin aux couleurs vives, souvent brodés et ceinturés.